Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je me réveille, je suis dans mon lit, il fait froid, j'ai des couvertures bien chaudes, la vie est belle. Hier dans mon vlog, si tu l'as pas regardé, je t'invite à le regarder. C'est génial. Depuis quelques jours dans mes vlogs, je teste des produits avec un peu de lactose ou très peu de lactose ou sans lactose pour voir en fait si je peux les remettre dans mon alimentation. J'ai des surprises et j'ai des trucs. J'ai des surprises. Alors hier, j'ai mangé du gorgonzola. J'ai lu qu'il n'y avait pas de lactose en gorgonzola. Ça m'a défoncé. C'était très bon. Mais j'ai eu très mal au ventre. Toute la nuit ce matin, je me réveille avec le ventre. C'est comme si on m'avait mis des coups de poing dans le ventre pendant toute la nuit. C'est un enfer. Et donc, je comprends pas en fait. Parce que si je suis intolérante au lactose, pourquoi est-ce que du gorgonzola où il n'y a pas de lactose, je suis malade? S'il y a des médecins dans la salle, s'il vous plaît, expliquez-moi. Également, j'ai testé la glace Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake. C'est de la crème quand même. C'est du lait. Rien du tout. Alors pourquoi eux? Rien du tout. Aucune idée. Et j'ai testé avant-hier. Du fromage de chèvre, ça faisait longtemps, putain. Et ça m'a fait un peu d'effet, mais pas trop. Donc ça va, c'est supportable. Mais là, le gorgonzola, ça m'a défoncé. En plus, j'avais le souvenir que le gorgonzola me défonçait. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de lactose, je me suis dit, bon, bah ça va, c'est que ça devait être autre chose qui m'avait fait mal. Mais non, 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 non. Et aussi, j'ai mangé, il y a plusieurs jours, un truc avec du soja. Alors rien à voir, mais je crois que les trucs à base de soja, ça me tue. Parce que j'étais très très malade. Je comprends pas très bien mon estomac, mais j'en arrive toujours à la même conclusion qui est que quand je mange rien avec du lactose, et ben je suis pas malade. Et dès que je mange un truc qui ressemble de près ou de loin à quelque chose avec du lactose, je suis malade. Donc va falloir que j'arrête de persister. Tout simplement. Ah, ça fait mal. Bon, allez, je vais travailler dans mon lit parce qu'il fait froid et qu'il pleut. Du coup, bah allez, hein, vamos. Bon, il est 14h30, il est temps de sortir de mon lit, de me doucher et de me nourrir. J'ai énormément travaillé depuis ce matin. Je suis trop contente. J'ai commencé à 8h. Et là maintenant, je sors pour faire des trucs. Oui. Oh, il m'a stingé, car concentrado. Oui. Je suis concentrado. On a failli mourir deux fois. Il y a un bus qui a essayé de nous écraser. Ah, ali é tudo rico, rico. Gente yeah. boa. É, rico é boa. Rico é bom? Ele é. É, ele é. Que bom. Eita! Ele é um cara muito bom, um cara muito, muito legal. Que bom. Gente boa isso. Aí, il y a un bus qui a essayé de nous écraser, qui était collé à nous. Et juste quand on évite le bus, il y a une voiture qui sort, qui se dégare. Ça se dit pas dégare. Qui sort de son d'être garé, qui sort de son emplacement. Bon, t'as compris. Qui se dégare. C'est un très bon mot qui devrait être utilisé et exister. Et qui se dégare sur nous comme si on n'existait pas. Et heureusement, Biscotto, il a fait un petit tata. Il a déjoué. On a failli mourir deux fois aujourd'hui. Ah, ben, ça va être. É muito bom servir, né? Não, era no seu dia. Ei! Ça, c'est les gens accrochent les serviettes de toilette au nom de Lula. Les élections sont dans 3 jours. On est vendredi, c'est dimanche. On espère tous que Lula va passer au premier tour. Qu'on en finisse avec ces élections qui nous ont gonflés à tous parce qu'on veut juste être libérés de l'extrême droite au Brésil. On en a marre. Voilà. Du coup, allez, on va aller voter. Je peux pas voter, j'aimerais bien voter. Oh, t'as perdu, Mary. Logo você. Là, c'est une programmation chargée. Je vais retirer de l'argent, payer toutes mes factures. J'ai tellement de factures à payer, c'est un truc de ouf. Le gaz, non, l'électricité a augmenté, un truc de gros bâtard dans ma maison. Alors, je sais pas si c'est la même augmentation que vous, les amis. Nous aussi, on a eu une augmentation. Mais moi, c'est surtout que. Bah, il fait froid. J'avais beaucoup de meufs chez moi qui prenaient beaucoup de douches et nos douches sont électriques et elles prennent des douches longtemps. Et donc, j'ai eu pour 1000 réals d'électricité alors que normalement, je suis plus dans les. Allez, 500. C'est-à-dire, j'ai doublé mon électricité. Et le mois d'après, mon électricité est redevenue normale. C'est bon.
Donc je dois aller payer toutes mes factures d'eau, d'électricité. Allez, encore un. Allez, bon sujet. Fabiola. Encore un, j'allais dire encore un camion qui est collé à nous. Et donc, faut que j'aille payer mes factures, que j'aille payer des gens, que j'aille des trucs de payer en fait. Allez, je vais retirer de l'argent et on en reparle. Non, va d'arqué. Tu que y a fala? Oui. Oi? Achei que catar alguém, hoje não vou encontrar ninguém pra fazer isso. Tu compre? Fazer o quê? Tu quer fazer o quê? Tu quer pegar quem? Tu quer o quê? Então para! Volta. Tem aqui gostosa! Lorena, o que que tu vai fazer? Que bom pegar meu cu. Passando por aqui ou não? Porque tem água. Ai. Até aqui, ó. Também, ó. É? É. Vem aqui. Tu só vai sentir uma parada aqui, como te explicar. A água tá aqui em cima, olha só, debaixo da água, ó. Ó, ah, debaixo da água. Tá mole? Não, meu, tem uma água aqui debaixo, aqui, a cara tá aqui, ó. Tem sim. Água, não pode. Eu tenho que cortar isso aqui. Shhh. Tá furado aqui, ó, furado, ó. Cortar e jogar uma manta pra você aqui dentro. Sim. Sacou? Aham. Aqui não, tá colado, colado. Mas aí eu tive que fazer tipo uma revisão, como eu fiz aqui, ó. Ó, colar tudo. Deixa eu ver. É isso mesmo, tirar essa água aqui dentro, ó, ó. Ó, ó. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. Tá vendo? Aham. Cadê você? Não, é por cá, pro cara você ver, ó. Aham. Ó. Ó. Ixi. Ó. Ó. Deixa quieto. Sacou, não? Sim. Ó, ó. Tudo por baixo, bem. Por baixo. Aí tá vazando aquela emenda. Uhum. Então, pô. Tá. Agora a gente sabe. Sabe. Então, eu vou ter de vir. É que eu tenho que fazer isso no sábado pra você mesmo, não tem jeito. Tá bom. Aqui, vai chover semana que vem. Eu vou ter que vir com o xerete cortar, passar o produto e passar a manta. Tá bom. Tá bom? E essa porcaria eu tiro e jogo fora. Tá, obrigado. Por nada. Ah, por aqui também. Ó. Porque isso aqui já é velha. Você pode pesquisar. Acho que é em seis meses que tem a revisão. Nada é para sempre, cara. Isso aqui não foi eu que fiz. É velho, entendeu? Então agora eu vou consertar isso aqui pra você aqui por dentro. Aí, tá ó. Bom. Tá vendo? Agora eu não sei como que nós cagou. Fez esse negócio aqui e deu certo. Eu tava preocupado nem com nada, com isso aqui. Você acredita? Puta que pariu. Eu sou um cagão mesmo. Ah, vai pra cabeça dos outros, né? Ela falou, faz assim, é doida? Ela não é doida? Que foi? Só só alegria, minha filha, só riqueza. É, pra pegar felicidade. É. Tá com dinheiro na conta, tá bom, né? Ah, mas, falando disso, eu tenho que te pagar. Você... Tô com frio do caralho! Que isso? Eu não aguento mais. Fiz froid, j'en ai marre. Fou! Ah, se por la peine, je vais boire du lait chaud, voilà. Mais elle est où ma lumière? Je m'invite à chercher ma lumière. Ça va? Il est 1h du mat. J'ai fini un peu de répondre. Non, mais il n'y a pas de lumière. Je serai sombre. J'ai fini de répondre à tous les messages WhatsApp que j'avais, à tous mes mails, machin. Je suis trop contente. Et là, maintenant, je tombe dans un piège horrible. C'est le piège du maïs grillé. Je me suis commandé une tonne de maïs grillé parce que j'adore ça. Le problème. Faut que j'arrête. Que quand je commence à en manger, j'arrive plus à m'arrêter. C'est pas bon. Pour situer, quasiment 1h du matin, j'ai faim. Et chez moi, il n'y a rien qui se mange sans cuisiner. Qu'est-ce que je vais faire? Boire de l'eau, remanger une dernière fois du maïs.
et faire des pâtes. Et là, je suis sûre, tu te dis, Serge ne devrait pas manger ce temps-là. C'est pas faux. Mais c'est un peu mon rythme de manger. Je mange assez tard la nuit. C'est bon. Alors on va reprendre, faut pas que j'en prenne, j'ai partout. C'est bon. J'étais à La Paz, dans un quartier de Rio, c'est là où il y a les grands arcs. Et qu'est-ce que je croise? Des panneaux avec un logo rouge. Et je me dis, je connais ce logo. Tu sais ce que c'est, ma gueule? Pékin Express. Pékin Express est à Rio, c'est pas un truc de ouf. Et j'étais comme une folle. Du coup, après, j'ai essayé de m'avancer pour voir, mais j'avais des trucs à faire, du coup, j'ai pas été. Et après, je cherchais pour voir si je croisais pas des gens en sac à dos qui avaient besoin d'aide pour aller quelque part. On sait jamais, hein, moi je peux vous aider. Et ben j'ai croisé personne. Mais j'étais trop contente qu'il y avait genre l'équipe de Pékin Express. Et tout leur aménagement et tout de trucs de Pékin Express. Ça devait être la fin d'une épreuve, un truc comme ça. J'étais trop contente d'apprendre que ça soit à Rio. Et après, j'ai une de mes enquêtrices de choc qui s'appelle Jessica, qui est trop gentille, qui m'a trouvé des informations qui confirmaient que le prochain Pékin Express était là. Et il y a des gens, des Français de Rio qui m'ont dit qu'ils avaient été parler avec les gens de Pékin Express et qu'ils avaient demandé à ce que nous, les Français, on spoil pas. C'est pour ça que c'est secret. Qu'on spoil pas, parce qu'en fait, ils galéraient chaque fois dans tous les pays où ils allaient, parce que les Français, ils balançaient toujours. Parce qu'on est des grosses balances, les Français. Mais sache que je me suis pas trop approchée du truc et je n'ai pas vu qui c'est qui avait réussi ou pas réussi l'épreuve. Donc j'ai pas spolié. Bon, j'ai quand même beaucoup parlé de ça sur Instagram. Donc tout le monde sait que Pékin. Je me la raconte, tout le monde, pas tout le monde, hein, tout le monde qui regarde mon Instagram, c'est-à-dire pas beaucoup de gens. C'est que Pékin Express va se dérouler au Brésil, à Rio. Ta na 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 na. Na 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 na. Tu sais que personne connaît cette chanson ici. C'est ouf. Allez, on va mettre de la vraie musique. Fait par des vrais gens. We be MJA at the Pegasus. Three course breakfasts at coupes and Lexuses. The chicks wanna flex with us. Alors, faut que je montre un truc. Je sais pas si tu te souviens de cette plante là que j'aime particulièrement, que j'avais acheté au marché. Trop belle. L'amour de ma vie. Elle avait fait des bébés. Elle avait fait deux bébés qu'on poussait. Et en fait, les deux sont morts. Regarde là, c'est son bébé qui est en train de mourir. Du coup, je vais le couper. Et la sensation que j'ai, c'est qu'enfin. Hey, il y a ma bébé! Oh hey ben voilà, j'ai pas de sensation! Oh, je suis trop contente! Ouais, voilà. Quand je passe tous les jours, je fais des bisous. Un peu comme ça. Mouah. Mouah. Bon, allez, nous allons assassiner le bébé. Putain! Elle a fait un enfant, quoi! Et ça vient vraiment de Saracinaël. C'est ouf, je suis trop contente. C'est une bonne maman. Et cette plante-là, elle poussait pas trop et là, elle est en folie. Oh. C'est le printemps, les plantes sont en folie. Regarde là, ça pousse là, ça pousse là, ça pousse là. Ça grandit là, ça grandit là. Hé, hey, ça se réveille. Hein. Dites-la, ma fille.
se fait trancher par une foule. C'est marrant, c'est pas faux, se fait belle comme une poule. Belle, belle, belle. Besoin d'elle, d'elle, d'elle. Coisas que cedo.